Bonsoir. Donc là, vous venez de voir une vidéo de Mathias Schweitzer sur l'expo Zone de confort. Voilà, mis en images et en musique. On va commencer tout de suite la conférence d'Audrey. Audrey Muratet sur l'écologie des villes. Juste un petit mot là, je voulais remercier toute l'équipe du Signe pour le travail énorme qu'ils ont fait là, autour de l'expo et puis bon avec tout ce qui s'est passé quand même de que les choses se fassent et ça c'est chouette. Et aussi voilà, c'est de bon ton en ce moment, c'est de pousser un petit coup de gueule sur ce qui se passe et voilà, donc le mien c'est quand même insupportable que des espaces comme ici, voilà, des centres d'art soient fermés alors que les églises sont ouvertes. Ça reste quelque chose de totalement incompréhensible pour moi. Et voilà, j'aimerais bien qu'on m'explique un jour ou l'autre. Et bon, voilà, on va commencer. Audrey. Nous allons partager avec vous ce soir les travaux et réflexions que nous menons sur la ville, sa flore, sa faune, ses habitants, et faire un état de la recherche en écologie urbaine au niveau mondial. Pour beaucoup de citadins, l'écologie signifie recycler ses déchets, réduire sa consommation, utiliser des moyens de transport non polluants, manger bio. Mais l'écologie urbaine est aussi une discipline scientifique. La ville est un écosystème vivant dans lequel les processus écologiques et évolutifs sont à l'œuvre en permanence. Malgré une préoccupation de plus en plus sensible des populations à l'environnement, les fondements scientifiques de l'écologie urbaine ne sont finalement que rarement pris en compte. Leur mise en application en architecture, paysagisme, aménagement et planification urbaine reste limitée. L'espèce humaine est très dominante par sa densité et son action structurante sur les espaces urbains. Mais les conditions hétérogènes d'accès au sol, à l'eau, à la nourriture, à la lumière, à un abri, sont propices au développement de nombreuses autres espèces aux exigences écologiques différentes. La nature se développe alors dans les espaces où elle est attendue, souhaitée, dans les jardins, sur les balcons, dans les bois, étangs, fleuves, mais également où on ne l'attend pas, dans les interstices de la ville, les terrains désaffectés, les friches, sur les façades, les toits et les souterrains. Les caniveaux eux-mêmes présentent une diversité insoupçonnée de micro-organismes, algues, éponges et micro-crustacés.
Cette composition de la flore et de la faune urbaine est à la fois représentative d'une histoire passée de la ville, de conditions environnementales actuelles, des espaces naturels voisins, sources de nouvelles espèces, mais aussi d'échanges à plus large échelle avec des continents éloignés. Le nombre d'espèces voyageuses est bien plus important en ville que dans les milieux ruraux. La perruche à collier, la tortue de Floride, la bernache du Canada, le senson du Cap, le tamia de Sibérie, l'érigeron de Buenos Aires, le frelon asiatique, toutes ces espèces sont arrivées dans les centres urbains favorisés par les échanges de biens et de personnes. Ces espèces voyageuses forment en ville une part conséquente de la nature. Si l'on prend l'exemple des plantes voyageuses, elles représentent 20% en moyenne de la flore des villes. De par leur nombre et les interactions avec leur environnement vivant et non vivant, elles participent activement au fonctionnement écologique des villes. Les plus performantes y sont pourtant mal accueillies par certains écologues qui y voient là une perturbation des écosystèmes naturels et parlent d'invasion. La construction du savoir sur ces espèces est entachée de valeurs idéologiques qui biaisent les perceptions. Elles sont jugées sur leur origine et non leur écologie. Elles sont traitées avec méfiance, mépris, voire dégoût. Des sommes importantes sont dépensées pour les éradiquer. Les discours sont émotifs, convoquent des métaphores dépourvues de scientificité. Pullulent les approximations médico-chirurgicales, cancer, peste, envahisseurs, tueuses, fléaux. Il est important de rappeler que l'effondrement de la biodiversité en Europe n'est pas dû aux invasions, mais à la destruction des habitats, à l'intensification de l'agriculture, aux diverses pollutions, à la surexploitation des ressources. En écologie, il n'y a pas d'espèces ennemies. La biodiversité urbaine peut ainsi être organisée suivant le degré d'affinité écologique des espèces à la ville. Les urbanophiles sont celles que l'on retrouve préférentiellement dans les villes, comme le pigeon biset, la fouine ou le rat. Elles sont préadaptées à cet environnement et utilisent les façades minérales des bâtiments de la même façon qu'une falaise, une corniche ou un rocher. Très liées au cours de leur évolution à l'être humain et ses constructions, les urbanophiles peuvent aussi s'être accommodés à cet environnement par des changements de comportement, de morphologie, de communication ou encore de physiologie des individus. Par exemple, les populations urbaines du lézard portoricain, par rapport aux populations forestières, ont des membres plus longs et plus d'écailles digitales pour pouvoir se déplacer rapidement entre les bâtiments et adhérer à leur surface lisse. Les urbano-tolérantes. Elles s'observent indifféremment dans les villes et les espaces ruraux. C'est le cas du crapaud commun ou de la pie bavarde. Elles sont plastiques. La belle dame, le tircis, sont deux papillons très mobiles dont les chenilles arrivent à exploiter de nombreuses plantes hôtes présentes dans les jardins comme dans les habitats naturels forestiers. Les petits passereaux, accenteurs ou mésanges, qui d'ailleurs nourrissent leurs petits avec ces chenilles, peuvent aussi se maintenir dans ces deux types d'environnements. Enfin, les espèces urbanophobes ne se maintiennent qu'avec beaucoup de difficultés en milieu urbain ou alors dans des sites particulièrement grands et préservés. C'est le cas des rapaces et des grands mammifères. Leur présence en ville renseigne sur la perméabilité du tissu urbain à une nature fragile. Toutes ces affinités écologiques se modifient avec les changements de constitution de vie urbaine, une coévolution permanente de chaque être vivant avec son environnement.
Historiquement, les villes se sont établies sur les territoires les plus fertiles en ressources naturelles et en biodiversité, rendant encore aujourd'hui ces espaces aussi riches en espèces que les territoires voisins. La biodiversité des villes est néanmoins plus fragile. L'abondance des plantes, insectes, oiseaux, chauves-souris, leur biomasse a diminué drastiquement dans les zones urbaines ces dernières décennies. Elle étouffe sous le bitume. Les sols urbains sont pour la plupart constitués de gravats et autres déchets, puis recouverts d'une couche imperméable, aboutissant à des revêtements tassés et momifiés, ne pouvant plus assurer les fonctions essentielles de support des plantes, de rétention de l'eau, de stockage de carbone. Nous vivons dans un état croissant de pauvreté écologique. Conséquemment à l'artificialisation des sols, mais aussi au prélèvement d'eau excessif, les nappes phréatiques s'épuisent en ville. Le cycle de l'eau est fortement impacté. L'évapotranspiration assurée par les végétaux, le sol, se limite aux seuls espaces verts. Les berges des fleuves sont bétonnées, rehaussées, leurs lits creusés. Le Rhin a été canalisé, la Bièvre qui sinuait dans Paris a été détournée de son cours initial et enterrée. Les villes s'assèchent et s'embrasent. Les villes s'assèchent et s'embrasent. Les effets du changement climatique et notamment du réchauffement lié aux émissions de gaz à effet de serre des activités industrielles, agricoles et des transports sont particulièrement importants dans les villes car elles doivent faire face à un effet additionnel lié à l'îlot de chaleur urbain. Cette chaleur additionnelle se ressent notamment la nuit. Lorsque la température baisse avec la tombée de la nuit dans les campagnes, les villes, elles, restent chaudes. Leurs bâtiments, les revêtements en pierre, en verre, libèrent toute la chaleur accumulée pendant la journée. Les espèces les plus thermophiles, c'est-à-dire adaptées aux températures les plus élevées, sont alors privilégiées. Dans les zones tempérées et continentales, les hivers sont bien moins marqués en milieu urbain qu'en milieu rural. Ces hivers doux, associés à une alimentation volontaire ou involontaire par les citadins, sont des conditions d'une ressource quasi constante, indépendante des cycles saisonniers pour beaucoup d'espèces. Leur phénologie en est modifiée. La période de croissance et de fructification des plantes est augmentée, ce qui modifie le comportement de certains oiseaux qui s'en nourrissent. Au lieu de poursuivre leur route migratoire vers une chaleur et une nourriture distantes, ils passent maintenant l'hiver en ville.
Dans les villes tempérées, la chaleur et le manque d'eau sont récurrents sur les toits, les murs, le ballast. Ils favorisent le développement des plantes dites xérophiles. Ces espèces, adaptées à la sécheresse grâce à leur épaisse cuticule ou à une couche dense de poils, limitent leur transpiration. D'autres ont des organes succulents qui leur servent de réserve d'eau. Leur petite taille limite l'exposition au soleil. Certaines vont éviter les fortes chaleurs en bouclant leur cycle de reproduction tôt dans la saison, un passage éphémère réussi. La ville est aussi une source de pollution diverse, émise en grande partie par les industries, le trafic routier et le chauffage. Ozone, dioxyde d'azote, métaux lourds, hydrocarbures, pesticides dépassent souvent les seuils de contamination dans les eaux, les sols, l'air et s'accumulent dans les organismes. Les conditions d'existence sont fortement modifiées et parfois même, malgré tous les efforts de la nature, elles ne sont plus réunies pour maintenir un état vital. Les plantes, animaux, champignons, bactéries, virus se déplacent pour s'alimenter, trouver un partenaire sexuel, migrer, occuper de nouveaux territoires, passer à une nouvelle étape de leur cycle. Leurs communautés sont spatialement structurées, organisées par ces mouvements. Le voyage est un processus fondamental en écologie. Il favorise les flux de gènes entre espaces nécessaires au maintien sur le long terme d'une population. Il est un moteur essentiel des bouleversements évolutifs. La biodiversité est dynamique et ne connaît pas de frontières. Les environnements urbains, les structures des villes modifient ces déplacements. Ils favorisent ceux à longue distance, des espèces déplacées intentionnellement pour l'ornement de nos habitations ou pour des espèces voyageant clandestinement mêlées à nos marchandises. Mais au sein même des agglomérations, les trajets sont rendus plus complexes que dans les milieux dits naturels, plus sinueux au sein d'un territoire de vie. Les zones urbaines constituent un obstacle, parfois mortel, un piège écologique pour certaines espèces. Les insectes marcheurs ne sont pas aussi bien armés que les insectes volants face à la fragmentation du paysage urbain. Les risques d'extinction de populations sont accrus dans des sites isolés et distants les uns des autres. Et ces coupures physiques sont aussi lumineuses, sonores et chimiques. L'éclairage artificiel lié au développement urbain s'est déployé à large échelle au cours des deux siècles passés avec l'essor de l'électricité. La nuit se raréfie au taux annuel de 6%. L'éclairage artificiel couvre aujourd'hui 23% de la surface terrestre mondiale. Les espèces nocturnes, qui représentent 30% des vertébrés et 60% des invertébrés, en souffrent les premières. Les papillons de nuit se fatiguent autour des lampadaires et ne vont plus se nourrir ni se reproduire dans la végétation. Les chauves-souris profitent parfois de cette concentration de proies sous les lampadaires, mais en pâtissent le plus souvent, étant majoritairement lucifuges, c'est-à-dire qu'elles fuient spontanément la lumière. Les autres espèces diurnes sont aussi perturbées dans leur cycle journalier. Les animaux qui utilisent des signaux acoustiques pour leur reproduction, leur alimentation ou pour alarmer et prévenir sont particulièrement affectés par le bruit émis en ville par les humains et leurs activités. Les mésanges charbonnières, par exemple, augmentent l'intensité et la fréquence de leurs chants pour être mieux entendus de leurs semblables dans la rumeur urbaine. Face à toutes ces contraintes, les espèces disparaissent, s'adaptent et vite. Quoi qu'il en soit, ce sont souvent les mêmes qui arrivent à se maintenir dans toutes les villes du globe.
S'il est admis qu'elles hébergent beaucoup d'espèces, les villes sont aussi à l'origine d'une perte considérable de biodiversité à l'échelle globale. Les particularités écologiques qui les caractérisaient ont été peu à peu gommées. Ce processus d'homogénéisation urbaine en cours n'a toutefois pas abouti, car il ne concerne qu'un échantillon de la biodiversité urbaine. Il est encore temps de favoriser les originalités locales. Un gros manque de l'écologie urbaine est de ne pas aborder suffisamment les diversités entre villes, leurs originalités, et de rester trop ancré à l'analyse de la diversité au sein d'une ville. J'en viens aux grands principes écologiques pour améliorer la situation de la biodiversité urbaine. Une des priorités est d'augmenter la place de la nature afin que les villes deviennent plus vivables pour toutes les espèces qui la peuplent. 30% de zones couvertes par de la végétation ou de l'eau dans un rayon de 250 mètres autour de l'habitation du citadin améliore sensiblement sa santé, limite le déclin du reste de la biodiversité et garantit une stabilité environnementale dans le voisinage. Or, la part d'espace végétalisé dans une ville européenne ne dépasse guère 18% en moyenne. Par ailleurs, l'état écologique d'un espace de nature va progressant avec le temps qui passe. L'ancienneté doit ainsi être un deuxième critère écologique essentiel à considérer en ville. Le troisième principe est de créer des continuités écologiques, des corridors entre les espaces de nature pour faciliter les déplacements de toutes les espèces au sein de la matrice minérale, tout en limitant les obstacles et percussions. Il est important de réfléchir aux actions à mener parcelle par parcelle afin de ne pas tomber dans la répétition, l'industrialisation d'une idée qui deviendrait néfaste au maintien de la diversité des espèces, de leurs gènes et des écosystèmes. Je prends un exemple. La mise en place d'un rucher peut avoir un intérêt pédagogique au sein d'une école entourée de parcelles riches en ressources florifères pour l'abeille domestique. Mais aujourd'hui, dans les grandes agglomérations européennes, la présence de ruchers étant de plus en plus plébiscitée, des ruches sont installées partout. L'augmentation conséquente du nombre d'abeilles domestiques limite l'offre en pollen et en nectar pour les autres pollinisateurs sauvages, rendant cette action de plus en plus controversée par les écologues. Les actions pédagogiques en faveur des pollinisateurs ne manquent pourtant pas. C'est la même chose pour les toitures végétalisées, plantées uniquement de sédum, les orpins. Il s'agit d'une conception à la chaîne de barquettes ou tapis précultivés qui, installés sur tous les toits, aboutiront au développement d'écosystèmes semblables, conformes, et ainsi à une homogénéisation des écosystèmes de ces toits à l'échelle de toute la ville. Il existe, encore une fois, d'autres exemples de végétalisation des toitures, modelant l'épaisseur du sol installé, les types d'espèces semées, et surtout, qui prennent en compte le contexte local du bâtiment. Lors de la conception d'un projet urbain, qu'il s'agisse d'un immeuble d'habitation, d'une école, d'un square, d'une zone d'activité, tous les éléments déjà présents et alentours sont à considérer. La table rase est une solution de facilité pour les aménageurs et paysagistes, mais qui est très fâcheuse pour le vivant. Il faut imaginer des villes hétérogènes, dissemblables et non conformes, des villes qui tiennent compte de l'originalité des milieux écologiques dont elles sont issues. En cela, l'inaction, en limitant par exemple le nombre de fauches, est un mode de gestion des espaces de nature malheureusement trop peu pratiqué.
Un espace urbain se mue en friche urbaine dès que les humains en abandonnent l'exploitation. Les zones industrielles, les jardins à l'abandon, les ruines d'habitation, les décharges oubliées, les aires délaissées le long des voies de transport, routes, fleuves. Tous ces terrains auxquels on accole vague, car sans plus d'affectation, se couvrent avec le temps d'une masse végétale où bientôt disparaissent les vestiges de leur passé anthropique. Les sols nus se couvrent de moutardes, coquelicots, chénopodes. Par endroits, le gazon monte en graines. La prairie se charge de ronciers, d'arbustes et de fourrés touffus, à l'abri desquels les grands arbres croissent et se multiplient. Les terrains vagues ne constituent pas un milieu spécifique, mais un assemblage d'habitats multiples. Les activités humaines successives bouleversent régulièrement le paysage et la dynamique végétale des friches urbaines. La nature des sols, la proximité d'eau, l'âge de la friche ou la date de son dernier bouleversement sont autant de facteurs qui vont déterminer les végétations qui la composent. Les friches sont les espaces d'une expression libre de la nature. La diversité des plantes et des animaux ainsi que leurs interactions fécondes font des friches les refuges d'une nature exubérante qui ne se laisse ni gérer ni domestiquer. La friche est luxuriante et souillée, sauvage, habitée et troublée, inquiétante et calme. La consommation est aussi une problématique importante en ville. Les territoires voisins et plus lointains approvisionne la ville en énergie, en matériaux de construction, en nourriture et en eau potable. En retour, ils reçoivent les déchets de la consommation urbaine. La surface couverte par l'ensemble de ces périphéries constitue l'empreinte écologique d'une ville. L'ensemble des villes de la planète consomme 78% de l'énergie mondiale et produit plus de 60% des émissions de CO2, alors qu'elle ne couvre que quelques pourcents de la surface de la Terre. La recherche se poursuit, elle est encore trop restreinte aux zones urbaines de l'hémisphère nord. Elle s'est essentiellement concentrée sur les oiseaux, les mammifères et les plantes, et se résume encore le plus souvent à dénombrer des espèces ou des individus. Elle s'oriente timidement vers les aspects fonctionnels et les processus évolutifs afin de comprendre par quels mécanismes la biodiversité s'adapte aux humains, leurs constructions, leurs activités. Le modèle économique qui nous régit est à la base de l'effondrement écologique que nous vivons. Les actions en matière d'environnement des pouvoirs successifs sont faites de compromissions et de renoncements face aux groupes d'intérêt du BTP, de l'agriculture, de la chasse, de l'automobile, de la publicité, et n'ont fait qu'accroître la défiance des populations. Les dérogations à la destruction d'espèces protégées se multiplient. Le plan Ecophyto de 2008, qui visait à réduire de moitié l'usage des pesticides en 10 ans, n'a pas empêché l'augmentation de 25% de la consommation de ces produits sur cette période. Les néocotinoïdes interdits en 2016 font leur retour dans les champs. Cette année, la Convention citoyenne pour le climat initiée par le gouvernement, 150 Français tirés au sort, a élaboré 149 propositions pour réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Elle devait être soumise sans filtre au Parlement et faire l'objet d'un référendum populaire. Finalement, seules certaines propositions sont conservées. Beaucoup sont édulcorés, d'autres abandonnés, suscitant la colère des citoyens qui les ont rédigés et des ONG qui les ont soutenus. L'inquiétude chez une part toujours plus importante de la population sur l'état de la biodiversité est sensible et sincère, et les questionnements que sa conservation suscite aussi. Ils dépassent depuis longtemps la simple sphère des écologues et des militants écologistes. Les actions locales de collectivités, d'associations, d'individus sont nombreuses. Considérer la variété des actions mises en œuvre pour préserver la nature en ville, leur caractère et leurs aspirations qui ne se veulent pas normées, permettrait sans aucun doute de pallier notre aveuglement écologique
et de parer à l'agonie des écosystèmes. Merci. Donc là, on a les amis de Building Books, éditeurs, qui vont vous parler du livre qui vient d'être édité là avec Paris Nord, donc une série de photos dont vous avez vu une grande partie là sur pour la projection, photos que j'ai fait là depuis une vingtaine d'années sur le nord de Paris et les interstices et les recoins où la vie se trouve. Je les laisse présenter le livre. Donc, bonsoir à tous, Guillaume, Benoît, Building Books. Très honoré de publier ce livre. Je pense que la conférence et les images qu'on vient de voir illustrent parfaitement la raison pour laquelle on a voulu que ce livre existe et que ces images puissent être diffusées, montrées et accessibles au plus grand nombre. Peut-être pour expliquer un petit peu comment la genèse du projet, le présenter peut-être en deux mots, dire que c'est un livre, un grand livre souple de 240 pages. Qui a été conçu, mis en page par Matthias Schweizer, avec un certain nombre de séries iconiques du travail que Mir mène depuis une vingtaine d'années. Avec Guillaume, on apprécie le travail de Mir depuis, je pense, une quinzaine d'années à peu près. Et on travaille avec Mir sur des projets de commandes et de livres par ailleurs au sein de notre studio de design graphique Building Paris. Et très simplement, on a appris qu'il y avait cette exposition rétrospective au Signe, et on a demandé à Mir, est-ce qu'il y a un livre ? Et, on a un peu saisi la balle au bon, on est très heureux de participer à la monstration de ce travail sensible qui traite de sujets forts qui nous paraissent importants dans la société actuelle et qu'on a envie de porter dans la maison d'édition Building Books. Donc voilà, ça définit aussi les types de projets qu'on veut mettre en place. Peut-être tu peux parler de ce qu'on veut mettre en place. C'est pour une malentendante. Ouais. Donc on est d'abord un studio de design graphique, comme l'a dit Benoît. On est donc devenu une maison d'édition parce que... Comme ça ? On est devenu une maison d'édition parce qu'on est... On travaille souvent sur des projets de livres avec différents commanditaires, notamment avec des architectes. Et au bout d'un moment, on a eu envie nous-mêmes de porter des livres et de porter des projets nous-mêmes en direct avec des auteurs, des photographes. Cette maison d'édition est une activité parallèle, mais aussi complémentaire de ce travail de commande. Et c'est vrai qu'à travers la maison d'édition, on a surtout l'ambition de porter des projets qui nous tiennent à cœur, nous personnellement, parfois aussi des projets qui ne verraient pas le jour sans nous. C'est aussi pour nous un outil, un prétexte pour rencontrer des gens, pour faire émerger aussi des projets, les faire exister. Et comme disait Benoît, le travail de Mir est
Et même Mir, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps quand on était jeune graphiste au 220 rue du Faubourg Saint-Martin au sein d'ateliers de graphisme parisien. On côtoyait Mir dans son atelier qui était juste en face d'une autre. Enfin, Benoît était au deuxième, moi j'étais au troisième, Mir était au deuxième avec Mathias. Donc c'est aussi des gens qu'on a côtoyés, qu'on a nous regardé quand on était jeunes avec des grands yeux. On admirait aussi leur travail. Et donc c'est aujourd'hui Building Books, c'est aussi une manière pour nous, un peu moins jeunes qu'il y a 10 ou 15 ans, de pouvoir développer des projets et aussi pouvoir travailler avec des gens dont on admire le travail et dont on admire aussi l'ambition au-delà même du travail photographique ou de la qualité du travail photographique. C'est aussi la question des sujets, des démarches qu'on a aussi envie d'accompagner et à laquelle on a envie d'être associé, nous en tant que graphistes. C'est évidemment aussi une prise de position pour nous. On n'est pas seulement des graphistes de commande, on n'est pas seulement des gens qui mettons en page des textes et des images, on est aussi des gens qui avons envie de prendre la parole, ou en tout cas de permettre à des gens qui ont une parole importante de pouvoir se diffuser. Et donc je profite de cette image aussi pour remercier toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de ce livre. Évidemment le Signe, merci Jean-Michel pour son enthousiasme immédiat. Comme disait Benoît, on a décroché notre téléphone, on a demandé à Mir s'il prévoyait un catalogue pour cette exposition. Il nous a dit d'appeler Jean-Michel, Jean-Michel a dit oui, on a dit bon bah on y va. C'est un projet qui s'est fait relativement vite, qui s'est monté assez vite. C'est un livre en tout cas qui bénéficie du soutien du CNAP, de l'aide à l'édition. On n'a pas parlé de la part du texte, mais il y a aussi un feuillet imprimé sur des feuilles roses, voilà, avec des textes de Manuel Joseph. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois dans le livre et à la fois un élément séparé qui peut sortir du livre. C'est un projet, effectivement, Building Books, c'est l'idée de construire et c'est l'idée de d'équipe. Donc dans l'équipe, il y a aussi Marie Pelaton, dont on peut parler, qui a travaillé sur le livre beaucoup. C'est un projet qui a été amorcé en septembre, donc c'est un livre qui était déjà prêt depuis un certain temps, donc ça a un peu précipité les choses de vouloir le sortir pour l'exposition. Quoi d'autre? On est très heureux d'être ici ce soir. ça peut paraître idiot et naïf, mais c'est vrai que comme on est tous confinés depuis des mois, ça fait du bien. Je suis d'accord avec Mia, il y a des choses qu'on comprend pas bien dans les décisions gouvernementales, mais ce soir, ça fait plaisir de voir cette exposition et ça fait plaisir de vous présenter ce projet, ce livre, et c'est très sincère. D'ailleurs, pour faire un peu, parce que être éditeur, c'est aussi être commerçant. Donc le livre est disponible aujourd'hui de manière exclusive parce qu'il est arrivé seulement très récemment de l'imprimeur. Donc aujourd'hui on vend des livres qui est à 25 euros et le livre sort officiellement en librairie à la première semaine de janvier. Voilà. Et donc vous avez la primeur ce soir de non seulement avoir le livre mais en plus de pouvoir repartir avec un livre dédicacé par l'auteur. Voilà. Et voir par le graphiste. Merci beaucoup. Merci.
C'est suffisant. Ok. Ok, ok. Donc merci à tous d'être venus ce soir, d'avoir bravé, pour l'instant ce qui n'est pas interdit, on a encore 45 minutes pour faire la fête. Je tenais à remercier Mir, Audrey, Building Paris, Mathias aussi qui a pris part à la chose et aussi le Pavillon Blanc. À Coulommiers en fait qui a coproduit avec nous cette exposition, une exposition un peu fermée, un petit peu ouverte au gré des confinements et des confinements. Alors moi si j'ai un petit mot oui à dire et pour rebondir sur ce que disait Mir Muratet en début, nous le Cygne on est considéré, on a la réputation, on entend dire qu'on serait la cathédrale de l'affiche, que Chaumont serait très probablement la mosquée du graphisme, mais des arbitrages ont fait que les lieux culturels auront été choisis à des... voilà, des lieux de culte à des lieux culturels. Alors, je fais un petit coucou qui n'a rien à voir aujourd'hui avec la chose, mais j'ai une amie graphiste, en fait, Justine Figueredo, qui viendra bientôt à Chaumont, lors de la Biennale, a eu la gentillesse de nous imprimer quelques hosties. Pas assez, vu que ce sont des prototypes, et peut-être qu'en se travestissant en lieu de culte, en fait, on pourra ouvrir à un public en plus grand nombre. Donc voilà, nous pourrons partager le pain et le vin quand la chose viendra. En tout cas, nous sommes prêts là-dessus. De manière plus sérieuse, enfin, quoique, non, c'est très sérieux ce que je viens de dire, même si c'était enrobé de naïveté et d'émotion. En écoutant la conférence d'Audrey, il m'est revenu en fait l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui m'avait marqué lorsque j'étais petit. Aujourd'hui, on dirait plutôt les droits humains. Mais en tout cas, si j'ouvre les guillemets, puisque le texte n'est pas de moi, toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Et donc, conformément à l'article 5 de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle de 2001, les droits culturels sont donc indissociables des droits de l'homme et se définissent comme le droit d'avoir accès et de prendre part à la culture et d'en bénéficier. Il s'agit notamment du droit des personnes et des communautés de connaître, comprendre, visiter, exploiter, entretenir, partager et développer le patrimoine culturel et les expressions culturelles, et de bénéficier du patrimoine et des expressions culturelles d'autrui. À ceci s'ajoute le droit de participer à l'identification, à l'interprétation et au développement du patrimoine culturel, de prendre part à la conception, à la mise en œuvre des politiques et des programmes de sauvegarde. D'autres droits, tels que le droit à la liberté d'expression, le droit à l'information et le droit à l'éducation, sont essentiels à la réalisation des droits culturels. Il est cependant possible de reconnaître divers degrés de ces droits, dans la mesure où ces droits ne sauraient être invoqués pour justifier l'atteinte à d'autres droits inscrits dans le droit international. Donc la culture revêt une importance fondamentale pour la dignité et les identités humaines. Ça, c'est de moi. Il est donc essentiel de comprendre ce qui relie les droits culturels et les droits de l'homme afin de sauvegarder et de promouvoir la culture, mais aussi les droits des individus. Les droits culturels nous obligent à tenir compte des droits des personnes et des communautés au moment où on aborde cette notion floue de communautarisme et d'établir justement des liens entre le patrimoine, le matrimoine, ceux qui le font, et les expressions culturelles et les personnes qui les ont fait naître. Et le fait d'avoir accès à la culture et d'en bénéficier est un aspect important pour tout citoyen appartenant à une communauté et de façon plus large à une société. Alors même que les artistes, les minorités culturelles, le patrimoine culturel et les expressions culturelles sont la cible d'attaques de plus en plus fréquentes, la défense des droits culturels des individus et des communautés est d'autant plus décisive aujourd'hui. Merci, bonne soirée. Merci.